et les bonnes manières. Poste brésilienne. Mélodie du Brésil. C'était il y a longtemps. J'ai appris à me tenir depuis. J'ai appris... Comment ça s'appelle? Ah oui, j'ai appris les bonnes manières. Mishka, je te le promets. Super! Alors ça, c'est vraiment un bonhomme de neige qui me ressemble. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Oh, dis donc, je suis vraiment super bien élevée aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Oh! Je suis vraiment très contente de te revoir. Aujourd'hui, c'est moi qui aurai les plus bonnes manières. Permets-moi de t'épousser un peu. Habillée comme ça, tu as l'air vraiment trop adorable. Tu ne trouves pas, Mishka? Mélodie du Brésil. Mon cher ami, veux-tu bien m'accorder cette danse? Excuse-moi, pardon de t'avoir marché dessus. Est-ce que tu veux bien danser encore? Ne t'en fais pas, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, je te réserve la prochaine danse.
manger ce gros gâteau toute seule. Il a l'air délicieux. Joyeux anniversaire, Mishka. Joyeux anniversaire. Oh non, regarde ce que tu as fait. Bon anniversaire, mon très cher Mishka. Je me suis trompée. Voilà Tata. Et celle-là, c'est celle de ma Rosie chérie. Bon appétit tout le monde. Demande de rançon. C'est mon cadeau. Waouh, qu'est-ce que c'est bien ici. On va bien s'amuser. Coucou mes chéris, c'est le docteur, je vais vous ausculter. Une douleur. À ton tour, ouvre la bouche. Gardons. Lèvres, ok. Dents, ok. Langue, oups. Hey,
poste. Oh. La vraie rançon. Arrête de t'agiter, on se casse. Sinon, il faudra tout recommencer. Reviens tout de suite ici, petit peureux. Reviens ici tout de suite. Mishka, on t'amène ton nouveau médicament. Je vais te soigner. Hé, les loups, vous allez où? C'est l'heure de votre médicament. Mais pourquoi? Pourquoi mes patients s'enfuient? Et toi, Mishka, tu dois te soigner avec du miel. Et c'est un cas très compliqué. Et dans ce cas, la seule chose à faire... Ou alors, il faut te reposer en restant au lit. Tu dois rester couché et te reposer. Un bon thé et de la confiture, voilà ce qu'il te faut.
Un bon médicament doit avoir un bon goût. Oh, tes livres. Hop, hop. Tu ne t'es pas levé. Tu dois vraiment rester au lit et au chaud. Alors, très bien. Je vais de nouveau t'examiner. Oui. Tu sembles aller bien mieux. Là aussi, tout va bien. Oh! De te lever. Oh. Hein? Tu étais malade hier et encore aujourd'hui. T'en as pas marre? Ok, ok, je vais encore t'examiner. Faites confiance à Macha.
mes petits lapins. Macha et Mishka arrivent à la rescousse. Oh, on dirait des petites peluches. Vous êtes trop mignons. J'adore vos oreilles, Rikiki. Mais où est votre maman lapin? J'ai compris, vous avez perdu votre maman. Hé, Mishka! Il faut qu'on retrouve leur maman. On devrait faire des affiches, tu penses pas? À qui sont ces lapins? Ils sont ici. Allez, Mishka! Tiens, tu veux bien t'occuper des affiches? Je vais surveiller ces bouts de chou. Je vais être la meilleure nounou du monde, tu verras. Écoutez-moi, les enfants. On va jouer à un jeu. Tu trouves pas?
présence. Vous ? Impossible ! Êtes-vous le roi ? Vraiment ? Oh mince alors ! Ce n'est pas un accueil digne d'un roi ! Il n'est pas convenable qu'un roi arrive sans un comité d'accueil ! Votre magique majesté, je vous prie de repartir, puis de revenir, d'accord ? Je vous conduise à son humble demeure. Et... Il ne me semble pas très convenable qu'un roi se promène de la sorte. Pas convenable qu'un roi s'abaisse à ramasser des fraises. Ce n'est pas convenable, non, pas du tout. Il n'est pas convenable qu'un roi répare des voitures. Mais enfin, ce n'est pas ce que doivent faire les rois. Convenable qu'un roi salue ainsi un ours. Les rois ne sont pas censés faire la vaisselle, voyons. Et ce n'est pas à eux de ranger le bazar. Écoutez ce que je vous dis. Mais enfin, vous n'y songez pas. Est-ce bien approprié qu'un roi aille à la pêche et risque des piqûres de moustiques? En vacances, moi, roi Lion le troisième, durant ma royale absence, remets temporairement la couronne à la reine Mariana 101e. C'est moi? Je suis la reine? Oh! Oh, oh! Il faut que je m'occupe vite de mon royaume! Oh! J'exige une voiture royale, une voiture royale. À la reine. Oh! À mon palais. Il n'est pas convenable qu'une reine ait une telle maison. Hé, mes gens, il me faut un nouveau palais. Et bien voilà,
photo vous oblige, vous y arrivez. Bien, vous allez me préparer un festin digne d'une reine. Vous pensez aux arbustes, volières et fontaines. Je dois vérifier si tout cela correspond aux standards royaux. Mal. Voilà qui est convenable. Et ceci, j'aime vraiment beaucoup, du grand art. Ce qui est bon pour la reine est bon pour son peuple. Oh, je suis sublimement majestueuse, si magnifiquement impériale. Nous sommes prêtes pour notre royal repas. Hey! Que vous arrive-t-il? Enfin! Que quelqu'un me serve! Vous devez obéir à votre reine! Quand j'étais au coin, et en fait, il n'est pas convenable qu'une reine maltraite son peuple ainsi. Baignade interdite. Je suis morte de chaud. Ha!
que je porte tout ça? Ne tourne pas! J'ai pas fini de lire!
résoudre. Oh! Mishka! 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 Oh! C'est une énigme très difficile à résoudre. Voyons ça. Enquêtons. Partons à la recherche des indices. Procédons par ordre. Aha, aha, aha. Je suis prête. Mais enfin, c'est élémentaire, mon cher Watson. Vous voyez, Watson ? Nous avons le mobile. Et voilà. Cette chose, comment ça s'appelle? Qu'importe. Tout est clair, mon cher Watson. Watson. Les pattes en l'air! Viens avec nous! Tu es notre principal suspect, Lapinou. Échelle et on grimpe dans l'arbre. Alors ça, c'est pas du tout élémentaire. À faire, n'est-ce pas, mon cher Watson? Ouais! Je vous l'avais bien dit, c'est élémentaire, mon cher Mishka. Mishka. Ce sera un jour très important pour tout le monde. Oui, demain c'est la rentrée. Et pense à mon petit bureau, Mishka. Mmh.
des classes. Oh. C'est génial, là-bas. Le casier, l'encrier, il est beau. Je suis prête. Maintenant, on peut commencer la classe. Mais... écriture. Voilà, voilà. Et là, et ça, là. Voilà, et là, et là. Super, voilà. Encore. Et un dernier. Un trait, un point. Encore un point, un trait. Un rond, un point, un trait. Et voilà, j'ai fait un petit ours. Alors, ton avis?
Piano, tu m'apprends. Il faut que tu m'apprennes, Mishka, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il est grand et beau, ce piano. Je suis vraiment très impressionnée. Mais comment ai-je pu vivre sans piano? La musique a vraiment manqué à ma vie. Hop. Allez, vas-y. Apprends-moi. Je vais devenir une grande pianiste. Une méthode? Pas besoin. Tu vas voir comme je joue bien. Écoute la belle musique que je joue. Le plus important, c'est de faire une belle révérence au public. Non, je veux pas faire des gammes. Oh. Ha ha!
n'est pas encore aujourd'hui que je veux devenir célèbre. La famille s'agrandit. Marozie, où es-tu? Viens prendre ton petit déjeuner. Et tu es tellement jolie. Oh, tu es ma petite princesse des bois. Et c'est comme ça tous les jours. Ils ont un appétit de loup. Mais où est Marozie? Où est donc passée ma grande Rosie? Oh, je verrai bien ça demain matin.
Il a dû lui arriver quelque chose. Restez là et jouez calmement. J'ai des courses à faire. Résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête,